Le Montana. Son grand ciel bleu. Tous ses trésors. C'est pas une région comme les autres. Et c'est ma maison. J'ai toujours vécu là. Je reste émerveillé par cette beauté. C'est peut-être pour ça qu'on n'a pas vu la situation dégénérer. Et soudain, tout à fait... Bonjour à toi, frère. Vous ne comprenez pas. On ne les prenait pas au sérieux. Ils étaient différents. Religieux. Militants, c'est une putain de secte. L'effondrement approche, mes enfants. Ils ont commencé par acheter toutes les fermes. Ensuite, la station de radio. Et puis très rapidement, ces connards de flics ont rejoint leur cause. Un véritable état religieux. Installé là. Sous notre nez. Personne viendra nous aider. Le gouvernement fera rien. Bordel, on est tout seul. Dieu exige que nous sauvions ces âmes perdues, qu'elles le veuillent ou non. Les gens refusent de croire que ce genre de groupe existe. Les gens ont peur, putain. Certains s'en prendront à nous. Certains voudront détruire tout ce que nous avons construit ensemble. Et d'autres nous trahiront. On ne sait pas de quoi il est capable. Qui ? Leur leader. Joseph Seed. Il l'appelle le père. Et contrairement à nous, les gens ne voient rien. Ils ne croient pas. Ils n'ont pas la foi. Mais je leur ouvrirai les yeux. Hey, petite. Petite. Tu perds ton temps, y a pas de réseau ici. Je franchis la rivière Enbane. On est bien arrivé chez les cinglés. C'est encore loin. Juste assez pour que vous puissiez changer d'avis. Et qu'on fasse enfin demi-tour. Vous voulez que j'ignore un mandat fédéral, shérif ? Non, non. Je veux juste que vous compreniez bien la réalité de la situation. Joseph Seed. Faut éviter de déconner avec lui. On a déjà croisé sa route et ça s'est rarement bien terminé. Je dis juste que... parfois, on peut aussi détourner le regard. Ouais, ben... ici, il y a des lois à respecter, shérif. Et Joseph Seed va devoir s'en rendre compte. Brad, mon grand. Tu veux bien appeler le central, s'il te plaît ? C'est fait. White Horse à central, à vous. J'écoute, Earl. On approche de l'objectif, Nancy. À vous. Compris, shérif. Vous n'avez toujours pas changé d'avis ? À vous. On a... malheureusement pas réussi à raisonner notre ami le Marshal. À vous. Ok. Il a de la chance que je sois pas là. Si vous avez des ennuis, prévenez-moi. À vous. Compris, terminé. On aurait peut-être dû emmener Nancy avec nous plutôt que la nouvelle. Ces tarés la feraient jamais chier. Brad ! Les tarés, c'est une trouvaille, vous ? C'est parce qu'ils sont rien d'autre, des tarés. Franchement, ils méritent pas qu'on les appelle autrement. En gros, ils ont débarqué gentiment il y a quelques années, mais là, ils sont armés jusqu'aux dents. Et ils sont prêts à se battre. Vous avez peur, shérif ? On y est. C'est juste en dessous de nous. Oh, nom de Dieu. C'est vraiment pas une bonne idée. Dernière chance, Marshall. Allez, c'est parti. Pose-nous. Brad, bien compris. Centrale, toujours là ? Oui, shérif, je vous écoute. Si je donne pas de nouvelles d'ici 15 minutes, envoyez du monde, appelez même la garde nationale s'il le faut. À vous. Ok, shérif. Je vais prier pour vous. Bon, écoutez-moi. Trois règles. C'est moi qui parle. Personne ne dégaine son arme. Et on reste en rang serré. Compris. C'est compris ? Alors c'est parfait. Ouvrez l'œil. On y va !
Il est dans l'église. Suivez-moi. Ouvre l'œil. Ces gens s'énervent assez facilement. Hé, par ici. Reste vite, ok? C'est pour ça que j'ai quitté. Du calme. Que tout le monde reste calme. Continuez ce que vous faisiez. Ça vous concerne pas. Ça. Chef, ça me plaît pas. Tout ira bien, Hudson. Tout va bien se passer. Non, d'adieu. Porter des insignes, non? Ouais, et ils respectent pas trop ça par ici. Ils vont respecter mon 9 mm. On résout pas tous les problèmes avec une balle, Marshall. Samuel. Ils sont là pour le père. Il faut qu'ils nous laissent tomber. Du calme. Le père va faire quelque chose. Hey, Marshall. Si on fait ça, je veux que ce soit à ma manière. Calmement. Sans heurts. C'est compris? C'est compris. Hudson, à la porte, tu nous couvres. Tu laisses entrer aucun de ces illuminés. Petite, avec moi. Et vous, Marshall? Essayez. Essayez simplement de ne pas faire de conneries. Du calme, shérif. Vous êtes sur le point de faire la une des journaux. Ça va aller. Quelque chose approche. Vous le sentez, n'est-ce pas? Nous nous rapprochons du précipice. Et il y aura des comptes à rendre. C'est pour ça que nous avons ce projet. Car nous savons ce qu'il va se passer. Ils viendront. Ils voudront nous priver de tout, de nos armes, de notre liberté, de notre foi. Mais nous ne les laisserons pas faire. Shérif, on y va, doucement. Terminez leur avarice. Fini leur immoralité. Ne laissons plus passer leur perversité. Shérif. Nous allons refuser de souffrir. Bon, ça suffit. Joseph Seed. J'ai un mandat d'arrêt fédéral contre vous. Vous êtes accusé d'enlèvement et de séquestration. Alors je vous ordonne de vous avancer les mains bien en évidence. Non. Les voici, les criquets dans notre jardin. Ils sont venus pour moi. Ils sont venus pour m'éloigner de vous. Ils sont venus pour détruire tout ce que nous avons construit. Attendez, laissez votre arme dans cet étui. Reculez tous immédiatement. Reculez, ça suffit. Laissez vos armes. Que tout le monde reste calme. Nous ne sommes pas vraiment surpris. Nous étions préparés. Allez. Allez. Dieu ne les laissera pas m'emmener. Je vis l'agneau ouvrir le premier sceau, et j'entendis, dans une voix semblable au tonnerre, l'une des quatre bêtes dire « Viens et vois ». Allez, on avance. Et je vis. Devant moi, un cheval blanc. Et l'enfer derrière lui. Petite, passe les menottes à cet enfoiré. Dieu ne vous laissera pas faire. Allez, passe-lui les menottes. Parfois, la meilleure des options, c'est de faire demi-tour. Allons-y. Il faut qu'on se casse de cet endroit. Marshall, passez devant. On va à droite. Je suis dessus. On vous lèvera pas. Non. Non, vous n'avez pas le droit. Reste sur la voie, petit. Reculez! Reculez! Tout le monde!
recule. Laissez-le. Bouge-toi, allez. Je suis un marshal fédéral. Reculez. Je vous ordonne de reculer. Rangez ça. Dégainez. On met dans la ligne. Reculez. Allez. Reculez. Bouge. Gardez-vous de là. Mais bouge ton cul. Centrale. Oh mon Dieu! Nous n'avons aucun problème. Pas besoin d'appeler qui que ce soit. Oui, père. J'ai foi en vous. Personne ne va venir te sauver. Dieu vous garde sous l'ombre de ses ailes protectrices. Tout se déroule selon les plans de notre Seigneur. Je suis toujours avec vous. Le premier sceau est brisé. L'effondrement a commencé. Et nous prendrons tout ce qu'il nous faut. Nous protégerons nos possessions. Et nous tuerons tous ceux qui s'opposeront à nous. Et ainsi, les messagers de l'Apocalypse verront la vérité. Il faut qu'on sorte d'ici. Que la récolte commence. Il faut qu'on sorte d'ici. Laissez-la. Seigneur Dieu, on arrive à se tirer d'ici. Qu'il brûle. C'est leur punition.
jusqu'à mon camp. Il reste des survivants. Le projet survivra, quoi qu'il arrive. Il y en a un dans le mobilhome de Roy. On va la voir. Le père va s'en assurer. Il est tout prêt, trouvez-le. Les juifs se parlent à la pro. Ok, les juifs. On peut plus les faire. Allez contrôler ce que c'était. Là. Non. Faites attention. Repartez-moi. Bon sang. Tu empestes le péché. Le père se voit. T'as dû trouver la proue. Ok, hein. J'espère que quelqu'un... Faites gaffe, ça plaisante pas. Dieu l'a protégé comme il nous protégera, tant que nous faisons confiance au Père. Désolé, j'ai cru qu'il... avait... Allez! Allez!
Fouille la pièce, vite. Oh, Seigneur. J'aurais jamais cru. Merde. On va foutre tous ces connards derrière les barreaux. Toute la famille. Putain, fanatique. On va sortir de ce merdier, petite. Pour commencer, il nous faut des armes. Tiens. Écoute-moi. Voilà ce qu'on va faire. Il y a une route dehors. On va la prendre. Et on va monter vers le nord-est. Dans quelques heures, on devrait avoir atteint Missoula. Ensuite, faut qu'on revienne ici. Avec toute la garde nationale. Et on se débarrassera de ce qui reste... Ok. Chut. Sans toi. Faut qu'on y retourne. Mais avec un bon plan. On sait pas à qui on peut se fier. Putain de Nancy. Oh non. Oh non. Ils ont barré les routes. Accroche-toi. Derrière nous. Merde. Repousse-les. Seigneur. Je peux pas le contourner. Y'en a... Hey, y a de la dynamite à l'arrière du camion. C'est le temps. Vite, explose tout. Thank you.
amené au pèlerinage. Mes enfants, nous devons rendre grâce, Seigneur. Le jour dont j'ai fait la prophétie, est enfin là. Tout ce que je vous ai dit s'est réalisé. Les agents qui ont essayé de m'enlever à vous ont désormais rejoint l'ébrasement de ma famille. Tous sauf un. Tu sais ce que ça veut dire? Ça veut dire que les routes ont été barrées. Toutes les lignes téléphoniques coupées. Plus aucun signal ne peut entrer ou sortir de cette vallée. Mais ça veut surtout dire qu'on est dans la merde. Leur effondrement. Ils sont persuadés que maintenant c'est la fin du monde. Et ils attendent que ça. Depuis longtemps, ils attendent l'arrivée d'une espèce de messie qui réaliserait leur prophétie et viendrait lancer leur putain de guerre sainte. Mais c'est ce que t'as fait, officier. Franchement, si j'étais malin, je me contenterais de te livrer. Merde. Maintenant, enlève-moi cet uniforme, on va le brûler. Et puis là, t'as des vêtements. T'as plus qu'à te changer. Puis après, tu viens me voir. On va voir ce qu'on peut faire pour essayer de régler ce merdier. C'est Dutch. Réponds à toi, Ellie. Si tu te changes pas, moi je te parle pas. Tu piges ?
Allez, approche. Il faut qu'on parle. Je me suis pas vraiment présenté. La plupart des gens m'appellent Dutch. J'essaie de comprendre ce qui se passe là-haut. Et c'est pas beau à voir. D'après ce que je comprends, tes collègues sont en vie. Pour l'instant. Mais on les a séparés. Chaque membre de la famille de Joseph en a un sous sa garde. Tu veux les retrouver? Moi aussi, on m'a pris des amis. Le problème, c'est que personne viendra t'aider. Personne sait ce qui se passe ici. Et l'info sortira pas avant qu'il soit trop tard. Il y a forcément des gens ici qui seraient prêts à riposter contre la secte. Il faut juste qu'on leur montre comment faire. On doit former une résistance. Alors le premier truc qu'on va faire, c'est reprendre le contrôle de cette île. Une fois un peu plus tranquille, on pourra mettre un plan sur pied. Il y a un flingue et une carte dans le coffre là-bas. Prends-les. Je te recontacte par radio dès que t'auras pris tes marques. Fais bien gaffe à toi, ça grouille de cinglés. Ces connards sont prêts à mourir pour le psychopathe qui leur sert de chef. Officier, si jamais tu sais plus où t'en es, cherche les icônes blanches sur ta carte et ta boussole. Ça te donnera une idée de ce que t'as à faire. Il y a plein de bêtes dangereuses par ici. Oh mon Dieu.
le jackpot. C'est une cage de survivalistes. Si t'arrives à y entrer, tu devrais y trouver pas mal de trucs utiles qu'ils ont mis de côté. Allez, va jeter un œil. Faire une plus grosse impression, tu peux toujours fabriquer de la dynamite. La bonne nouvelle, c'est que les gens du coin ont stocké tout le matériel qu'il te faut. T'as juste à te servir. Et au boulot! Un type près des quais. Si tu l'aides, peut-être qu'il acceptera de prendre un flingue et de t'aider en retour.
Aide-moi à sortir, je peux être utile. Je voyais pas comment on allait s'en sortir. Heureusement que t'étais là. J'ai un compte à régler avec cette secte. Alors, maintenant que t'as trouvé un équipier, vous devriez aller au poste de recherche de la forêt. La secte a envahi l'endroit, c'est là qu'elle stocke sa putain de grâce. Nettoyez-moi tout ça, comme ça, ils sauront qu'on n'est pas là pour déconner. Prends ce qu'il te faut. Nous devons sauver 3000 âmes. En mouvement, couvre-moi. Ça marche. Après toi, officier. Les animaux ont foutu le camp depuis que les cibles ont débarqué.
Ça me manque vraiment la chasse. Bien compris. Je suis là. Je sais ce que tu penses, et non. Je vais pas te faire escalader des tours dans toute la région, alors t'en fais pas. Essaie quand même de pas te casser la gueule. Nous sommes des pêcheurs. Tous autant que nous sommes. Vous, moi. Même notre cher père en fait l'expérience. C'est un poison qui pollue l'esprit. Mais si je vous disais qu'une délivrance est possible, si je vous disais que tous vos rêves, même les plus fous, sont possibles, si je vous disais que toutes les épreuves peuvent être surmontées, si vous adhérez à une idée, cette libération du péché peut venir grâce au pouvoir d'un mot. Oui, je suis un pécheur. Oui, j'aspire à la rédemption. Oui, je veux être purifié. Si vous me regardez, vous avez été choisi pour la purification. Confessez vos péchés et vous aurez le droit de les expier. N'ayez crainte. Vous n'aurez rien à faire du tout. Nous viendrons à vous. Bienvenue à Eden's Gate. Tiens ta coéquipière, Hudson. Elle est dans une merde noire. Il faut que tu te remues.